La rivalité qui existe entre les dragons et les archons est complètement légitime. Les premiers régnaient sur le monde avant même que les seconds ne voient le jour. Autrement dit, les dragons sont les premiers dirigeants de cette planète, mais tout a changé quand l'ancêtre des archons et des hommes est venu foutre le bordel. Suite à cette grande guerre, le rapport de force a été inversé, et les dragons ont perdu leur statut suprême d'antan. Des milliers d'années plus tard, les descendants de ces grandes figures antiques continuent d'exister, et l'histoire que je vais vous raconter va mettre en scène un dragon et un humain. Mais avant ça, laissez-moi vous introduire le sponsor de la chaîne. Y'a le beau gosse de Natlan qui sort dans même pas une semaine? Non mais sérieux, regardez-le quoi. Ce serait tellement dommage de le rater par manque de chance ou de primo. Eh bien, Lootbar peut vous aider à accomplir ce beau rêve. Il s'agit d'une plateforme de recharge de cristaux primaires qui offre des réductions de l'ordre de 20%. D'ailleurs, sachez que Lootbar fonctionne à la fois pour Genshin, Honkai Star Rail et Zenless. D'autres créateurs, aussi bien des anglophones que des francophones, utilisent déjà Lootbar depuis un bon moment maintenant. Il vous suffit juste d'entrer votre UID et votre serveur, donc pas besoin des identifiants, puis de sélectionner le produit que vous désirez. Ensuite, vous allez sur votre compte, et en seulement quelques secondes, vous recevrez les cristaux. Par contre, si vous jouez sur Play, il vous faudra d'abord passer sur mobile ou bien sur PC pour convertir les cristaux en primo, pour ensuite les voir apparaître sur votre compte PlayStation. Perso, j'utilise Lootbar pour mes achats sur le jeu, notamment les faveurs, mais à tout moment il y a un craquage, donc je confirme que ça fonctionne et que ça me met très bien. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est la crise niveau primo depuis Fontaine. Heureusement, Lootbar m'aide à sortir de la galère, surtout avec Natlan qui sort des persos incroyables toutes les 3 semaines, hein, on rappelle. Bref, que vous soyez un Lowspender ou une énorme whale, Lootbar vous fera faire des économies, et le lien est dans la description, vous connaissez la chanson. De nos jours, en Teyvat, l'intégralité des dragons souverains semble avoir été exterminée ou mis hors d'état de nuire suite à la grande guerre dont je vous ai parlé juste avant. Enfin, tous, sauf un. Il se nomme Apep et est affilié à l'élément Dendro, ainsi qu'à la région de Sumeru. Apep représente tout ce qu'un dragon souverain est censé être. Immense, surpuissant, mais aussi complètement réfractaire au règne actuel établi par les dieux, ainsi que la civilisation humaine. La soumission ou bien l'extermination de ces dragons était nécessaire pour que le dieu originel puisse créer son propre empire. Le seul problème, c'est qu'il est presque impossible de se débarrasser à tout jamais de ces immenses lézards. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont capables de se réincarner indéfiniment. Un dragon souverain est constitué de l'énergie élémentaire la plus pure de son élément, et quand ce dernier meurt, il relâchera l'intégralité de cette énergie contenue dans son corps pour donner naissance, bien plus tard, à son nouveau lui et à d'autres formes de vie. Ce processus est assez long, mais il semble presque impossible à empêcher. Ainsi, une nouvelle génération de souverains est actuellement en train de voir le jour en Teyvat. Le meilleur exemple est Neuvillette. Il est la réincarnation du dragon Hydro. Cela dit, il a failli ne pas voir le jour, car la présence d'Egeria, le premier archon Hydro, à l'intérieur de la mer primordiale, a empêché le processus de naissance du dragon d'être complet. Sauf qu'à l'instant où Egeria a quitté la mer primordiale pour prendre les rênes de Fontaine, Neuvillette est apparue. Autrement dit, il doit avoir aux alentours de 2000 ans. Si la réincarnation de Neuvillette a pu se faire, malgré les complications, il va sans dire que les autres dragons reverront également le jour. Ou peut-être d'ailleurs que c'est déjà le cas. Un de nos chers humains, originaire de Natlan, semble connaître quelque chose à propos du retour des dragons. Dans le drip marketing de Neuvillette, un personnage nous dit ceci. La véritable épreuve débutera le jour de leur retour. Le retour de qui? Eh bien le retour des dragons primordiaux. Mais à votre avis, comment cet homme du nom de Jbalank pourrait-il être au courant de tout ceci? Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'histoire d'un homme qui a fait la rencontre du tout premier dragon souverain pyro, Xiuqoatl. Si on fait un énorme bond dans le passé, disons il y a bien plus de 6000 ans, au moment de la chute de l'Empire des Dragons, comme on le sait, ce règne a pris fin après l'arrivée du dieu originel, ou du dieu usurpateur, ça dépend du point de vue. Ce dernier a vaincu les dragons souverains qui dirigeaient la planète. Certains sont morts et ont donc commencé leur cycle de réincarnation dans leur coin, tandis que d'autres étaient toujours en vie mais sont restés éloignés de tout ce qui touche à leur ennemi juré. C'était justement le cas du dragon Pyro. Après la grande défaite, il s'est installé à l'extrémité ouest du continent, non loin des terres que l'on connaît aujourd'hui, sous le nom de Natlan. Là-bas, il y a établi son propre royaume. Des vestiges de cette ancienne civilisation peuvent de nos jours être trouvés, éparpillés dans les souterrains de la nation. En tant que dragon souverain pyro, Xiuqoatl était le maître de ses lieux et de ses disciples élémentaux d'or. Durant ce règne, il a développé ce qu'on appelle le phlogistique, qui est une version très avancée de l'élément pyro. Il a appris à tous ses disciples comment l'utiliser, et ensemble ils ont fini par baser l'intégralité de leur civilisation dessus. Il faut savoir que le phlogistique peut être utilisé comme source d'énergie, donc pour Xiuqoatl, c'est extrêmement simple de faire tourner tout son empire, puisqu'il s'agit là de son pouvoir inné.
Les années passèrent, les siècles également, et la civilisation du dragon Pyro se portait comme un charme. Si bien qu'un jour, des humains, en provenance de la première civilisation humaine du dieu originel, sont tombés sur le royaume de Xucoatl. Je vous ai dit plus tôt que les dragons détestaient tout ce qui touchait à leur ennemi juré. Eh bien, les humains, en tant que création du dieu originel, sont par définition en lien avec l'ennemi juré des dragons. C'est alors qu'une ère de conflit a commencé, les dragons s'étaient mis à traquer les humains pour se débarrasser d'eux. Pour essayer de survivre face à cette menace, les humains se sont organisés sous forme de tribus, que l'on connaît encore aujourd'hui. Cela a duré un certain temps, probablement des siècles, mais ce n'était clairement pas suffisant. Comment de simples humains pourraient-ils défier des dragons ? C'est alors que l'humanité est tombée dans ses travers les plus primitifs. Les humains pensaient que pour protéger leur propre vie face aux dragons, ils se devaient de faire une offrande de même valeur. Donc pour gagner une vie humaine, il fallait dépenser une vie humaine. C'est de cette manière que les sacrifices humains ont commencé, pensant que ça allait les protéger des dragons. Disons que cette ère a duré certainement plusieurs millénaires, jusqu'à ce qu'un dragon lui-même décide d'y mettre un terme. Pour mettre fin au sacrifice, ce même dragon a volé une graine de phlogistique à Xucoatl lui-même et a décidé de la donner aux humains pour qu'ils puissent à leur tour utiliser le phlogistique. De cette manière, ils pourront s'élever au même niveau que les dragons et peut-être enfin élaborer une société ensemble où les humains seront égaux aux grands lézards. Ce dragon qui a volé le phlogistique se faisait désormais appeler le sage de la flamme dérobée. Lui qui savait que l'humanité pouvait accomplir de grandes choses, a décidé de la sauver. Mais en faisant ainsi, il allait changer leur destin. Un nouveau destin à l'opposé de ce que l'ordre divin avait décidé. Mais le sage, qui avait déjà prédit l'avenir, savait que cette étape était obligatoire. Car le sauveur des deux espèces, celui qui unira à la fois les dragons et les humains, proviendra justement de cette nouvelle espèce barbare. Pendant de longues années, le sage de la flamme dérobée a attendu l'arrivée de l'élu. L'humain qui sera capable de guider à la fois les dragons et les humains en s'asseyant sur le plus vieux des trônes, celui qui deviendra le dirigeant d'une seule et unique civilisation, celui qui comprendra que l'humanité doit se débrouiller seule. Et un jour, cet élu arriva. Son nom n'était autre que Jbalank. Pour accomplir le destin qui lui était destiné par le sage de la flamme dérobée, Jbalank devait s'imposer face au dragon souverain Pyro, Xucoatl. D'année en année, le roi dragon se teintait de noir, corrompu par le pouvoir de l'abîme. Un tel être surpuissant et corrompu ne pouvait aucunement continuer de régner sur cette terre. Le sage lui avait dit qu'un jour, l'abîme reviendrait, et que quand ce jour arrivera, il faudra absolument qu'il ait trouvé un moyen de rallier les dragons et les humains. Autrement dit, Jbalank savait ce qu'il devait faire. Ce simple humain, élu par la prophétie du sage, devra tuer le plus puissant des dragons pyro qui existe dans ce monde. Vous êtes bien d'accord pour dire qu'un simple humain ne pourra jamais vaincre un dragon colossal comme Xucoatl ? Eh bien, je suis entièrement d'accord. Jbalank n'avait aucune chance. Il n'avait absolument aucune chance tout seul. Mais en se battant d'égal à égal, c'était différent. Pour que l'élu puisse s'imposer face au dragon souverain pyro, il a hérité de la part du sage de la flamme dérobée, la flamme la plus pure de ce monde. On l'appelle également le feu primaire. C'est ainsi que Jbalank devint celui inhumé par le feu primaire et partit affronter le titan de flamme. Si Natlan existe encore aujourd'hui, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Jbalank a gagné. Il a terrassé Xucoatl avec le pouvoir du feu primaire. Et comme le sage l'avait prédit, Jbalank a alors pu s'asseoir sur le plus vieux des trônes, devenant ainsi le tout premier archon pyro de Teyvat. Et c'est ainsi qu'un simple humain a pu accomplir son rôle prédit par la prophétie en ralliant les dragons et les humains sous son règne. Natlan est donc devenu une nation à part entière d'humains et de dragons en même temps. Tout ceci grâce à Jbalank et à un dragon qui a trahi les siens.